Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un moyen de faire afficher dans un tableau les cellules vides en rouge. Donc ici, pour réaliser la vidéo formation, j'ai un tableau de 4 colonnes avec, vous voyez, des mesures. Donc mesure 1, 2, 3, 4, avec en dessous des valeurs. Et de temps en temps, vous voyez que j'ai des cellules vides. Et comme ça, vous voyez que j'en ai plusieurs dans le tableau. Alors plutôt que chercher où se trouvent les cellules vides, si elles sont en rouge, bien sûr, ça sera beaucoup plus voyant et plus facile à repérer. Donc, c'est ce que nous allons réaliser grâce à une mise en forme conditionnelle. Alors, première chose, je vais sélectionner toutes les cellules dont je souhaite mettre en mise en forme conditionnelle. Donc, bien sûr, je n'utilise pas la première ligne de mon tableau puisque ici, ça ne sera jamais vide, ce sont les en-têtes de colonne. Donc, je vais me mettre en cellule A2. Et je vais sélectionner, donc j'ai 500 lignes de mesure, donc ça va jusqu'à A2 jusqu'à D501. Donc pour sélectionner très facilement de A2 jusqu'à D501, vous voyez ici, vous voyez que c'est marqué à gauche ici A2. Je me mets dedans et je fais A2, 2 points, D, puisque ça va jusqu'à la colonne D. Et j'ai dit, donc j'avais jusqu'à D501, et bien je mets... Voilà, A2, 2 points, D501, et je fais Entrée, Enter. Et automatiquement, j'ai toutes mes cellules de mon tableau, de la cellule A2 jusqu'à D501, qui sont sélectionnées. Et maintenant, je vais pouvoir réaliser ma mise en forme conditionnelle, qui se trouve dans l'onglet Accueil, et quand je cherche, voilà, je trouve ici Mise en forme conditionnelle. Je clique dessus. Alors, il me propose plusieurs choix. Vous voyez ici, règle de mise en surbrillance, règle des valeurs. Nous, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Nouvelle règle. Nouvelle règle. Alors, je me mets un peu à côté. Voilà. Ici, dans les nouvelles règles, donc j'ai aussi plusieurs choix. Nous, on va utiliser la dernière, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, je clique dessus. Et maintenant, vous voyez que je dois rentrer ici, appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Donc, je me mets dans la barre de formule, et je vais rentrer une formule. Donc, comme d'habitude, pour rentrer un calcul, une fonction, et ici une formule, eh bien, je mets égal. Et qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais vérifier si ma cellule A2, puisque c'est la première de mon tableau, est-ce que A2 est égal à vide? Alors, pour dire que c'est vide, je mets égal. Est-ce que, donc, comme j'ai dit, est-ce que A2 est égal à vide? Et pour dire vide, c'est qu'il n'y a rien d'écrit. Et comme c'est du... Pour dire qu'il n'y a rien d'écrit, eh bien, il ne faut rien mettre. Eh bien, je vais utiliser ici guillemets, guillemets, pour lui dire, donc, justement, entre les guillemets, vérifie qu'il n'y a rien d'écrit. Donc, voilà, c'est le système pour lui dire, est-ce que A2 est égal à vide? Donc, A2 est égal à guillemets, guillemets. Vous voyez qu'en aperçu, c'est marqué sans mise en forme. Donc, je vais mettre une mise en forme. J'ai cliqué sur le bouton format. Je me rends dans l'onglet remplissage. Donc vous voyez, il y a nombre, police, bordure, moi je veux modifier le remplissage, et je choisis le rouge, ou bien sûr j'aurais pu choisir toute autre couleur, voire même un autre rouge. Je valide la mise en forme de la cellule en cliquant sur OK. Vous voyez maintenant la mise en forme qui apparaît, c'est bien en rouge. Je valide ma nouvelle règle de mise en forme en cliquant une deuxième fois sur OK. Et vous voyez qu'automatiquement, toutes les cellules vides apparaissent en rouge. Que se passe-t-il si je supprime une cellule? Eh bien, elle apparaît en rouge. Et si je rentre un nombre, automatiquement, ou si je mets une lettre, automatiquement, vous voyez, le rouge disparaît. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.